Eh bien, salut tout le monde! C'est l'équipe des Pères Noël. C'est vrai qu'on dirait un petit peu des Pères Noël, nos skins, non? Hey. Coucou! On se retrouve pour l'épisode 2 de Fallen Kingdoms. Aujourd'hui, un épisode qui va être bourré de plein de choses. Bourré de... Oh, un petit chien, bourré de chien. Bourré Bourré de d'amitié, chien, bourré de mais oui. mignonnerie, bourré de cris, bourré de... Ah bah, de cri, avec toi, on sera servi, c'est sûr. Allez, on va se faire une petite armure, vu que moi, je risque de retourner dans les grottes. Donc là, je suis en train de terminer la muraille, comme ça le chien il pourra pas partir, il sera à nous, Regarde, même regarde, si c'est pas regarde. vraiment à Est-ce que nous. je meurs de là? Ouais. Il s'est suicidé donc c'est normal, il avait plus de Cette vie. Hein. mort de merde. Oh! Oh! On dit pas de gros mots, c'est censuré. Pardon. Ah, c'est classe comme ça. Et Je vais c'est vous laisser vrai, un petit peu de tu fer. regardes Playfan, il tombe de 2 cm et il meurt. Enfin. Voilà quoi, je C'est ne dirais rien, injuste. mais c'est pas top. Playfan, c'est une chiffre molle. Oh Oh là là. non, le problème c'est qu'on a encore des falaises là, ils peuvent sauter par-dessus la muraille. Forest Kingdom. On a des falaises, ouais. Ouais. Là, S'ils sautent de la regarde, falaise. il va venir là avec son arc, il va nous tirer dessus. Bah, c'est vrai que c'est possible. Hein. Attendez, on n'a pas un petit. Bah, bien sûr que c'est possible, et à tous les coups, de leur côté, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il On a faut qu'on toujours la change? carte désavantagée. Je vais aller voir ce qu'ils font chez eux, tiens. Je vais aller voir ce qui se Bon. passe à l'extérieur. Ça Ça vous va? ne fait pas tout. Ouais. J'essaie de sortir, mais j'y arrive pas. Bon, vous Ah, savez quoi, je vais pardon. mourir. Donc, il Ah, y a c'est un lit ou triste. pas? T'as Pas des moutons? encore. Il faudrait qu'on trouve des petits Non, moutons pas encore, pour ouais. faire ça. Donc je vais vous montrer un petit peu la carte et puis ensuite on retournera dans les grottes quand on aura bien visité tout ça. Je vous montrerai aussi leur base. Qu'est-ce qu'il y a, Zelvac? Tu fais toujours des bruits bizarres. Non, mais oui, mais évidemment. Non mais oui, mais évidemment. Évidemment, c'est pour le bien de tous. Donc si on passe ce pont qu'on va essayer de passer là quand j'aurai tout mangé. Ah non, encore un petit peu. Je suis sûr que c'est très difficile de passer un pont. Oui mais oh attends, oh, doucement hein, ça va. Non mais ouais, il faut que les gens suivent. On arrive au centre de la carte, donc avec cette grande structure qui est magnifique. Il n'y a rien à redire là-dessus. En haut de cette grande structure, on trouve donc le pilier dans lequel on va devoir poser notre petit cube de l'Inde. Donc il va falloir qu'on grimpe tout ça, ça va être chaud. Et donc pour aller dans l'Inde, il va falloir qu'on passe par ce portail qui est donc déjà allumé. Pour l'instant, on n'a pas le droit d'y aller, étant donné que ce n'est pas le jour 5 encore. Et lorsque ce sera le jour 5, on aura le droit d'y aller, il faudra qu'on tue l'Under Dragon. Ça va être drôle. Eh oui, mon cher Frigel! Oui. Et là-bas, on va voir donc la base de nos adversaires qui ont déjà une muraille extrêmement haute. Ils veulent pas qu'on rentre, je pense. Ah, Ah, c'est mais cette dommage. prison avec un chien. Attends, je vais essayer de voir si on n'a pas un point de vue sur leur base. Aïe, je me fais attaquer par un squelette. Les gens vont penser qu'on a du retard parce qu'on n'a pas de muraille haute, mais vous inquiétez pas, Ah on a non, non, des non. stacks et des stacks de pierres C'est là. juste qu'on l'a pas posé. En Oh, 2 regardez, minutes, qu'est-ce la qu'il prison fait? est posée. Ah, il prépare sa maison champignon, tiens. Oh, c'est joli chez eux. Alors, ils ont fait un champ de blé, un champ de citrouille. Oh! Ça Ah, va vache. servir à quoi les Je me suis pris citrouilles? un creeper dans la tronche. Ça sert à rien les citrouilles. Non, enfin, c'est plus de la pastèque, je pense, mais. Bref. Ah, on va leur piquer leurs animaux, tiens. Pas de pitié pour eux. Vengeance! Ils vont retrouver des cadavres d'animaux autour de chez eux, ils vont commencer à flipper, vous allez voir. Vous allez voir. Hop, faut là une petite citrouille à Par ce con. contre, évite de passer trop de temps chez eux. Non, ouais, mais vu que je tue des animaux, à la limite ça sert, hein. Je ramène de la nourriture Mais pour mon expédition dans les grottes. Oh, il est full stuff ce squelette! On dirait un boss d'un MMO, enfin c'est abusé celui-là. Voilà, ça on s'en fout. Bon, oh, ça va. comment tu parles? Ils ont plus d'animaux. Il faut Mon que je petit ramène des Payphone, dis-moi poules. ce qu'il reste du charbon dans les coffres ou je sais pas quoi pour faire des Oui, torches. il en reste, je crois. Okay. Si personne en a pris. Ah, ah tiens, il y a des minerais dans l'eau. Bon, c'est pas Il y a très déjà une important. vache. Ouais, tu vas essayer de ramener des animaux aujourd'hui? Ouais. Allez, je reviens à la base. De toute façon, on n'est pas stressé. Hein. C'est vraiment une saison en bonne entente, détente, donc il n'y a pas de souci. Oui, jusqu'à présent. Mais c'est vrai que dès qu'on arrivera au jour 5, jour 6, à partir de là, la tension va monter, c'est sûr. Je ne trollerai pas. Ça va monter d'un Elle est cran. trop grosse, la vache, elle veut pas passer. Oh! Qu'est-ce Et le que t'as chien, il est contre parti? les vaches Ah grosses? pardon, je l'ai distraite et du coup, tu vas galérer à la faire rentrer là, désolé. Désolé, désolé. Hop, je rebouche ça. Hey. Il y a des petits trous un peu partout, là, je sais pas Je sens pourquoi. qu'il y a des gens qui vont pas m'aimer. Mais... Ah bon? Moi, je t'aime bien. Oh, bif. Et vous êtes gentil. Ah, Tic, voilà. tic, 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 Non, tic. mais j'ai le droit de crier, hein, du moment que je fais mon travail et tout, il faut pas me le reprocher. Certes, certes, Une fois que je fais certes. quelque chose dans une saison.
Allez, je vais descendre dans les grottes. Je vais me faire la dernière pièce de mon armure et c'est parti. Ah non, pardon. Hop. Parfait. Oh, ça c'est vraiment l'armure de beau gosse quand même. L'armure en fer, elle est magnifique. Donc je vous ai laissé 16 fer, quelques os. Il y a de quoi faire dans les coffres, hein. Je vois ça. Super. La nourriture. En tout cas, merci pour la pioche en diamant, ça va extrêmement vite. C'est vraiment très pratique. Ah ouais, bah attends, je vais t'aider un tout petit peu, histoire de montrer vraiment aux gens ce que tu fais en fait. Ce que c'est. J'ai fait le tour, donc du coup, c'est facile de savoir où il faut creuser. Ouais, alors j'arrive. Ah, je trouve plus de pouces. Pourquoi j'arrive pas à descendre ? Ah, si, c'est bon, j'y arrive. Donc, t'as fait le tour ici. Alors, creuse pas à l'extérieur de. J'ai fait le tour partout. Ouais. Évite de creuser à l'extérieur. À l'extérieur, enfin, si, peut-être il y a un ou bloc ou deux où tu sais comment on va vite, des fois. Fait pas exprès, mais ça change rien. Ouais, donc le travail de Zelvac, bah, c'est de faire ça pour l'instant. C'est vrai que c'est pas très passionnant, je suis désolé, mon pauvre Zelvac, là on te voit au fond, mais. Mais bon, c'est pour la bonne cause ensuite. Creuse vers l'intérieur, toi. Bon, comme ça. Faut creuser vers le fond d'abord. Vers le fond, c'est-à-dire. Bon, bah, on se croise comme ça. Bon, je vais te laisser faire, t'as l'air de mieux savoir que moi. Je vais remonter moi pour l'instant. Bon voilà, d'accord, merci pour ton aide. Écoute, de rien, c'était utile. Tu m'as vraiment aidé aujourd'hui, j'apprécie fortement. On dit que c'est le geste qui compte. Hein, pour le 3 coup, secondes. Pour le coup, c'est vraiment le geste qui compte. Voilà, c'est pas grave. Non, je rigole, bien évidemment, merci pour ton aide. Allez, tiens, je te donne un cadeau, les fans. Ça s'appelle des graines de pastèque. Et genre, et après, tu vas donner des cadeaux à Pays. Mais c'est n'importe quoi. Ah, tiens, par hasard, t'aurais pas une source d'eau? Un seau ou un. Si, tiens, un seau. Si, il te sert ou c'est parce que s'il te sert, non, non, là pour l'instant, non. Et il y a de l'eau infinie ici. Ici. Ouais, c'est bon, j'ai pris ça. Oui. Oui. Il n'y a pas de poules aux alentours. Pourtant, il y en avait tout à l'heure, mais il n'y en a plus là. Je cherche un peu, il doit y en avoir une ou deux, ouais. Non. Au niveau de l'arbre géant, je crois que j'en avais vu une. Ah ouais. Plutôt alors, de ce côté-là, je crois. Parce j'ai récupéré de la viande déjà. Non. Quoi? Vas-y, foutez-moi des vents. Mais on n'a pas compris ce que t'as dit. Est-ce que le chien il est toujours là? Il est juste dehors. Merci. Oh. On a de quoi faire un lit. Donc je mets la source d'eau ici. C'est ici hein, pour changer les points de spawn. A priori, ça devrait marcher comme technique. J'ai quelques doutes, mais bon. Donc Frifri, tu t'occuperais de la muraille? De la muraille, de l'améliorer, oui. Pour l'instant, tu peux faire une muraille de 3 d'épaisseur, ça passera bien. T'es sûr? Ouais, je suis sûr. Alors, faut de l'obsidienne pour. Tu vas creuser à l'intérieur, non? Oui, non, mais t'inquiète pas, je vais gérer ça. Ça va te perdre de temps? Non, je ne perdrai pas de temps, t'inquiète pas. On va prendre un peu d'obsidienne pour la table d'enchantement. J'irai dans les mines, non? Oui, ensuite tu pourras. Je ne suis plus sur Mike, les amis, donc je vois dans les mines maintenant, donc c'est bon. C'est une révolution. Voilà. Le big troll, tu sais. Je ne suis plus sur Mac, c'est une révolution. C'est vrai. Bon, il y avait que là de l'obsidienne. C'est génial. Mais on va en prendre ici. Oh okay, déjà. Ah, une poule. Mais elle est dans l'eau. Oh là là. Oh, une poule dans l'eau. Ah, mais il y en a plein par ici, mais elles veulent pas me suivre. Peut-être que c'est plus du blé qu'il faut pour les poules. Peut-être que tu ressembles à un loup. C'est quoi qu'il faut maintenant pour les poules, toi, Zelvac, tu t'en souviens ou... Des graines. Peut-être des graines, oui, plutôt. Ah oui. Juste des graines et pas du blé ouais, en lui-même. Ouais, ouais. Mais il y en a 3 là, ça serait cool. Ah, il fait bien le bruit de la poule. Bah oui, qu'est-ce que tu crois, quoi. Ah ouais, c'est ça. Oh, c'est cool. Si j'arrive à récupérer les 3. Juste les pas poules, mal. Elles pondent des œufs, bon, ça sert à pas grand. Ah si, on pourra balancer des œufs sur l'équipe adverse. Si ça, c'est pas génial. Ah, en plus, on gagne de l'expérience en ramassant du charbon. C'est cool. Oh, mais. Elles arrivent pas à sauter. Ah, si, c'est bon. T'as de quoi faire un trou, Playfan, pour entrer. Oui, c'est bon. Du James. C'est génial tout ce James qu'on a là dès le départ du jeu. On est gâtés. On pourra peut-être se faire des armures en James, hein. Je dis bien peut-être. Peut-être. Parce que c'est pas sûr, mais. Au moins, on pourra faire des épées. C'est beau, hein. C'est vraiment beau, ces grottes-là. J'adore tourner des saisons de FK et de voir des décors comme ça. Moi, j'adore tout court tourner des saisons de FK. C'est vrai. On va en faire plein. Si vous aimez, on sera là. On en fera. Oui. Oui.
C'est pas comme si une contrainte avait disparu. Pardon. Oh là, un zombie enflammé qui se jette sur moi. Voyons voir. Mince. Bon, je mets de la terre toujours. On va montrer que c'est par là que je suis passé. Bonjour, monsieur le zombie. Comment allez-vous par cette belle soirée d'été? C'est le soir, non, là, maintenant. Je gère pas trop le temps. Oui. La nuit est en train d'arriver sur notre territoire. Doucement. Il annonce de la pluie. Oh, j'ai ramassé du lapis lazuli. Allez. J'ai crié dans ma galère à sortir de l'eau, les poules. Hein. Tu vas te faire tuer, Playfan. Reste pas la nuit là-bas. Non, il y a un bébé creeper. Ah, bah, les creepers, hein, n'hésitez pas à les castagner. Hein. Pourquoi t'es mort? Il a fait un trou là où il faut pas. Ça m'énerve. Tu me démoralises. Je sais. Je suis démoralisé. Je sais. Il me faut du diamant pour me remonter le moral. Il y en a là-haut, je vais aller le chercher. Je vais mettre un épisode à ramener des poules, quoi. Non mais, c'est très utile. Les poules. Mais oui. Les poules. Oh, elle est retombée dans l'eau. Ah, attends. Laisse-moi chercher mes... Mais y'en a un chien. Y'a une vache. Les diamants. Je peux pas rentrer chez nous. Ah si, puisque la muraille est pas terminée, donc a priori ça devrait être bon. Où sont mes diamants? Je veux mes diamants. Où sont-ils? Ils sont bien dans le coin, là. Oh non! Tu peux pas rentrer? Bah, Playfan, ouvre-lui peut-être. Et si, je peux rentrer, mais y a un zombie. Il veut pas partir. Alors, vous inquiétez pas, j'ai pas oublié les diamants, j'aimerais juste savoir. Faut que je continue, c'est ça, en ligne droite. Attends-toi. En ligne droite. Allez, c'est parti, on va le chercher. J'ai violé ma souris exprès pour le tuer. On veut pas savoir ce que tu fais avec tes animaux de compagnie. Non, pas de la lave. Je viens juste de comprendre. Un jour, j'arriverai à ramasser ces diamants, quoi. Je ne fais rien avec mes animaux. Je ne suis pas zoophile. Ah bon? Mais oh. Genre, c'est toi qui dis ça. Bah oui. Mais on est une équipe soudée, faut qu'on arrête de se troll. Mais non, c'est vrai, j'avais raconté à Playfan une petite histoire qui s'était passée avec une vache. Ah. C'est pour ça qu'il me la ressort aujourd'hui, voilà, il me troll. J'ai perdu un diamant dans la lave, mes amis, c'est triste. Playfan est au courant, voilà. Un creeper. Vous aussi. Oh oui, une poudre de creep. Voilà, c'est bon, j'ai récupéré mes affaires, il y a un gros trou à l'extérieur, mais c'est pas grave. Alors, j'ai combien de quoi? 21 fer et 3 diamants, pour l'instant. Ah, ça c'est cool. On va essayer de prendre un bon stock de fer pour éviter d'être tombé en pénurie en cours d'aventure. Et les bruits d'ambiance, bien flippant ma foi. Donc d'ici quelques secondes, nous aurons notre muraille. Oh non, mais il monte sur les murailles maintenant. Le gars il a l'air super serein et deux secondes après il se met à gueuler. T'arrives à récupérer la poule qui est à l'extérieur par hasard? Ah non! Oh là 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 là, mais. C'est bon, j'arrive. C'est quoi cette équipe? Non, mais franchement. On va la casser. Qui vont gagner? Ah oui, bon, ça c'est sûr. Non. Ah! Mais non! Mais c'est pas possible! Je rigole, hein. C'est bon. Mon dieu. Ça me fait rire. Ouais, ça me fait rire aussi, hein, t'inquiète pas. Non, mais voilà, c'est marrant la situation. Oh mon dieu! Les creepers, ils sont tellement petits que tu les vois plus dans l'herbe. Ah, ils sont camouflés. Mais oui, t'as vu. Ils sont camouflés. Ils sont encore à des... Voilà. Voilà. Vous avez du diamant, je crois, si ça peut vous aider. N'hésitez pas à vous en servir. J'aimerais bien récupérer ma pioche en diamant, ouais. Voilà. Mais le problème, c'est qu'autour de notre base, c'est pas éclairé. Ah, ouais, bah, c'est ça. Faites-le, hein. Souci. Y a rien qui nous empêche de le faire. Ce serait bien de le faire. Je vais encore mourir, j'ai pas d'épée, je peux pas me faire d'épée. Parce que... Pourquoi on se fait pas d'épée? Oh là là. Faites-vous t'es du où, stuff, hein. Zelvac? Mais je suis là, Playfun, j'arrive. Le pauvre, il galère. Tu veux que je te sauve la vie? Oui. Oui. Sauve-moi la vie. Casse-toi. Non, mais ils arrivent par deux maintenant. Oh là 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 là.
Dépêche-toi, referme la porte. Vous voulez que je remonte ou quoi? Vas-y, on s'est fait envahir là. Pourquoi il a un casque lui? Pourquoi il a une épée aussi? Chaque ah non, couche là. Oh, oh là 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 là. Il a une citrouille sur la tête! Comment ça, ils ont des citrouilles sur la tête maintenant? Mais c'est n'importe quoi! Ah, y'a un creeper qui a explosé pas loin. C'est toi? Oui, non, c'est pas moi. Oui, c'est moi. Bon. Meilleure idée! Soyez un minimum sérieux quand même, sinon. J'ai une épée et j'arrive. Citrouille sur la tête! C'est bon, je l'ai eu. Je récolte tout ce que je trouve dans les grottes avec 20 milliards de diamants. Si vous saviez le nombre de diamants que je trouve, c'est incroyable. Vas-y, je te laisse te récupérer ton stuff. Je sais pas, c'est comme si à chaque fois vous mouriez, je gagne un diamant en fait. Ouais, bon, on va faire exprès de mourir. Ouais, bah, continue. Hein. Y a un petit problème, on a plus de vaches, on a plus rien. Ah, y a une poule ici. Mais elles se sont toutes enfuies quoi. Je leur donne un boulot et regardez ce qu'ils font quoi. Mais. On perd du temps. Je croyais que tu me protégeais, toi. Oui, bah je voulais te protéger, mais j'ai failli à mon devoir. Oh, je suis en feu, je suis plus en feu. En fait, c'est une mauvaise idée de faire les murailles la nuit. Bah, je vais fermer du creeper. Et puis, c'est quoi? Ramener des poules la nuit aussi, c'est pas une très bonne idée. Ouais, voilà. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre la nuit, de toute façon? Bah, dormir. On fait un pacte avec l'équipe adverse, on dort tous ensemble. Mais t'as refermé, moi, comment je rentre? Je vais venir t'ouvrir, t'inquiète pas, je finis la muraille. Ah oui, tiens, Playfan est mort, j'ai gagné du diamant. C'est génial. Playfan, vas-y, enfin, ouais, vas-y, je t'ouvre. Ah, Zelvac est mort, on devrait trouver du diamant bientôt. Bon, bah voilà, t'as de quoi ouvrir, hein, excuse-moi. On va mettre un petit défi aux gens. Votre but pour cet épisode, les gens qui regardaient la vidéo, c'est de compter le nombre de morts de chacun. Donc voilà, c'est votre petit défi du jour. C'est compliqué, je sais, mais vous pouvez le faire, je pense. Alors 1 plus 1 égale 2. Hein. Voilà, sachez que c'est une astuce, on vous aide, 1 plus 1 égale 2. Rien que pour ça, pouce vert. Tu mérites pas de demander des pouces verts après ta mort. Ça se fait pas. Excuse-moi, Playfan, tu peux me... Ah bah c'est bon, c'est open. J'étais ouvert, moi. C'est open. Ah bah, hein. J'allais t'ouvrir, arrête. Oui, c'est ça, il finissait sa muraille. Mais au moins, regarde, on a une muraille qui est terminée. Mm-hmm. Pas de couche. Bon, il faut que j'aille récupérer les... On va peut-être remonter vous aider, là. Ils rentrent tous, il faut pas les laisser rentrer. Je crois que je vais remonter vous aider, c'est pas possible, là. Ça peut pas continuer comme ça. Attendez, bon, allez, je fais la deuxième couche de la muraille qui n'est pas collée à la première couche, comme ça, voilà. Il y aurait pas un passage, là? Je vais récupérer des animaux, moi. On est bloqué par la lave, ici, c'est pas possible, ça. Vous y croyez? Et de la nourriture, aussi. Là. Une petite chauve-souris. Je trouve que c'est pas si mal tout ce que j'ai trouvé là pour cet épisode. Allez, on va prendre un tout petit peu de redstone. Ça peut servir. Et je remonte. Il va falloir absolument que je fasse des créneaux comme ça, stratégiquement et moralement, ils vont être dépités. Ils vont se dire putain, ils ont rien à faire. Alors que ça prend 30 secondes. Essaye déjà de ne pas mourir ensuite. Ouais. On parlera moral ensuite. Allez, ah non, mais moi j'ai le moral! Oh non, c'est bon. Non, mais je veux dire, là t'es en train de leur remonter le moral à force de mourir. Oui, mais l'important c'est mon moral à moi. Certes. Hop. Parce que comme ça, Sifano il va être en excès de confiance, il va se dire oh bah c'est bon, on va gagner. Ah ouais, ça c'est une technique par contre. Continuer de mourir, il sera en excès de confiance et. Et voilà. Et ensuite on l'explose. C'est bon. On l'a vu dans Frozen Kingdoms, puisque en fait là c'est un peu une suite, une revanche. Une revanche, on a déjà gagné, c'est pas la revanche. Deux gosses de la life, que sont Husky et Playfan. Mince, oui. Quel boloss que je suis en train de faire. Non, mais on l'a vu dans la première saison de Frozen Kingdoms, moi il n'y en a eu qu'une, c'est pas grave. Sifano n'était jamais très confiant, en fait c'était Léo. Attends, elle veut plus rentrer. Bah oui, je suis désolé, j'ai pas vu. Allez, j'arrive. Il se bloque et toute seule. Est-ce qu'il ferait pas jour là à force avec tout ce que vous êtes en train de faire? Il commence à faire jour. Ah, oh, vite, faut que je remonte alors. Ouais. Faut que je remonte vite. Ah, tiens, il y a un passage par ici. Une vache, deux vaches, voilà. Ah, au moins, t'as les deux petites vaches. Voilà, comme ça, on va pouvoir les faire se reproduire, bien évidemment, pour qu'elles fassent des bébés. Oh des... Elle est tombée dans un trou. Ah, non. Alors, ah, bah oui, bah ça, c'est une vache. Hein. Les vaches et les trous. Voilà, quoi. Qu'est-ce qu'il raconte, tu? Et viens là, voilà.
Excusez-moi, je suis l'expert des vaches, et ça, je pense que personne viendra me contredire. Ah, je pense pas. Ah bah voilà. Alors, je fais un petit enclos. Alors, je préviens pour l'épisode suivant, je préviens en avance, hein, je n'irai pas dans les grottes dans l'épisode suivant, parce que sinon, je sens que ça va être chiant pour les gens qui regardent. Oh, il pleut. C'est génial. Ah, voilà, les deux petites vaches. Allez, bah, vas-y. Si tu veux, on peut échanger, Free, hein. Enclos-les. Non, on va plutôt se mettre à... Vite, la force en fuir. Ouais. Il y a une poule qui est dans mon trou, il y a un zombie qui est dans mon trou. Alors c'est Marguerite et Zelvache. Marguerite et Zelvache. Et ouais. Les bébés, ils s'appellent comment? Ah bah les bébés, bah. Ah bah le bébé, on va laisser le soin aux gens qui regardent la vidéo de le nommer. Hein. Le nommer oui, quand ils veulent. Mais le problème, c'est qu'on a déjà tout tourné. Oh, mais c'est vrai. Et bah on inventera un nom par rapport aux commentaires qu'on aura. Je connais les gens, ça va être un mix des pseudos des participants. Voilà, ça va être. Donc ça va être à coup sûr, ça va être Zelfriano ou un truc dans le genre. Ouais, bah Zelfriano, on nous le sort à chaque fois maintenant. Non, c'est. Mais non, là ça va être Play. Play Zéviel. Play Zéviel. Play Zéviel, voilà. Alors, je suis désolé, mais le fer est prioritaire. Voilà. Non, mais on peut, si vous voulez, on peut les appeler Gertrude, on peut les appeler, voilà, avec des prénoms comme ça, qui sont très jolis. Gertrude, quoi. Ouais. Non non. Pourquoi pas. Voilà. Oh là là, je retrouve plus de poule. Bah c'est si, c'est là. L'heure, pourquoi tu demandes? il demande alors qu'il sait. Non mais oh. Bien non, mes amis, oh. Nous allons nous laisser, vous voyez que mine de rien, ils sont peut-être morts 20 milliards de fois, on ne sait pas pourquoi, on mais ne saura jamais. Mais on a bien avancé. Hein, mais c'est vrai qu'on a bien avancé, et qu'en plus... En plus, on a 13 diamants, plus 3 diamants. Ça en fait... Il garde l'esprit fun, mais on bosse. C'est ça, on a 16 diamants, c'est magnifique, c'est magnifique, magnifique. Bien, bah c'est nous allons nous laisser ici. N'oubliez pas de laisser un pouce vert, ça nous fera plaisir, ça nous montre que vous avez apprécié cette saison de Fallen Kingdoms. Et puis passez, bien entendu, voir le point de vue de nos compagnons Sifano et... Sifano, Husky et Léo. Voilà. Dites au revoir les petites c'est vaches. Nos compagnons, hein. Au revoir les vaches. Nos compagnons, ouais, et Playfun. Au revoir les vaches. Ah, au revoir. Oui. Au revoir la vache. Au revoir. Au revoir Marguerite.